Des rues métamorphosées aux couleurs du Moyen-Âge. Les médiévales de Lévis, c'est un voyage dans le temps. C'est en tout cas la promesse des habitants du village. Chacun participe activement à la mise en place de la manifestation. C'est le genre d'événement où il faut se prendre un peu à l'avance. Ça fait quand même 2-3 jours où, le village s'y met pleinement. Il faut un minimum d'organisation et de travail. 3 jours de fête, c'est l'occasion de valoriser l'histoire de la région, mais aussi d'offrir une activité en plus au village déjà bien animé. Alors Jean-Claude, tu peux alors avoir un bel cucinaro. C'est un pays qui est vivant. T'aimons tout, t'aimons les restaurants, les bars, t'aimons même un pays mort, comme certains pays qui sont morts complètement. En dehors de l'Altaroc, c'est l'histoire en général qui est à l'honneur. Ici, les époques se rencontrent grâce aux artisans costumiers venus de toute la France, comme cette association ardéchoise. Toutes les années, on fait une sortie dans le cadre de notre association, et voire plusieurs, au moins une. Et l'année dernière, on était au Puy-en-Velay. C'est des fêtes Renaissance, mais aujourd'hui, on fait les médiévales ici. Malgré une histoire riche et la demande des festivaliers, en Corse, les initiatives comme les médiévales se font de plus en plus rares. Il y a une véritable histoire du Moyen-Âge en Corse, depuis la Chinarque, en passant par Saint-Pierre ou Corse, à Bastelica. Après, il y avait aussi des rencontres médiévales, un marché médiéval assez important sur Fouriane, qui n'existe plus. D'année en année, on en a de moins en moins. Dès ce soir, des milliers de personnes prendront d'assaut le village, et ce, jusqu'à dimanche. J'aimerais bien un lettre.